Se peut-il que des êtres venus d'ailleurs, d'un autre monde, d'une autre galaxie, d'un univers parallèle, d'une autre dimension, soient déjà parmi nous? La question peut paraître complètement folle et pourtant, nombreux sont les chercheurs, souvent indépendants, je le conçois, qui le pensent. D'autre part, au vu des témoignages d'observations visuelles d'OVNI, de rencontres du troisième type, d'abductions, des dossiers déclassifiés récemment par le Pentagone, on est en droit de pouvoir envisager l'inenvisageable. Les extraterrestres sont-ils déjà parmi nous? Ce soir, je vous en dis toute la vérité, rien que la vérité, celle de mes invités. On est en direct sur tous les réseaux sociaux de BTLV. Alors bonsoir, bienvenue, je suis Bob Bellanca. OVNI, phénomènes paranormaux, sociétés secrètes, Big Brother, mystère des pyramides. En exclusivité sur le web, Bob vous dit toute la vérité. Celle de ses invités. Et si David Vincent avait eu raison, le cauchemar a-t-il déjà commencé? Des extraterrestres sont-ils déjà sur Terre, se fondant dans la masse? Se peut-il qu'ils aient pris une apparence humaine afin de passer inaperçus? S'ils sont là, quel est leur plan? Que viennent-ils faire et que viennent-ils chercher? On en parle ce soir avec mes invités, à commencer par Jean-Claude Sidoun. Bonsoir Jean-Claude. Bonsoir Bob. Ravi de vous accueillir une nouvelle fois. Vous êtes passionné d'astronautique et dès 1966, vous allez commencer à vous intéresser au phénomène OVNI en participant aux réunions du GEPA. Le GEPA. Vous faites partie des quelques ufologues à avoir collaboré avec le GEPAN, puisque après c'est devenu le GEPAN, et notamment sur l'affaire de Cergy Pontoise, où vous résidez aujourd'hui, je crois. On vous donne de nombreux ouvrages sur la collection, sur le phénomène, notamment cette collection que j'ai adorée puisque pour laquelle vous êtes venu sur BTLV, Encyclopédie mondiale du phénomène OVNI 1900-1930 et puis 1931-1943, et la suite arrive et bien sûr vous viendrez nous la présenter. Et puis il y a ce bouquin également, OVNI, guerre secrète, Jean-Claude Sidoun, qui sont-ils, d'où viennent-ils, que veulent-ils? Voilà, ce sont des bouquins dans la collection Enigma chez notre ami Jean-Michel Grancière, bien sûr, JMG. Et puis à vos côtés, Jean Librerot. Salut Jean. Bonsoir Bob. Ravi de vous accueillir, spécialiste du phénomène OVNI depuis de nombreuses années. On vous doit les traductions de beaucoup de livres de chercheurs étrangers. Vous êtes à la tête de Flying Disc France. Vous éditez des ouvrages riches d'enseignements. Toute la collection Flying Disc, vous la retrouvez sur BTLV. Hein. On a fait une page spéciale pour Flying Disc France. Oui. Il vous suffit de cliquer dessus. Et puis, il y a ce bouquin, c'est le dernier en date, Roberto Pinotti, Contact OVNI en Italie. Magnifique ouvrage voilà, qui va vous permettre de découvrir, si vous le souhaitez, l'Italie et ses OVNI. Messieurs, la question elle est simple. Les extraterrestres sont-ils déjà parmi nous? Avant de rentrer dans le détail, je vais vous voilà, diffuser le sondage qu'on a fait, puisqu'on a posé la question à nos viewers, notamment sur Twitter. Pour vous, non, c'est pas l'univers, ça, vous vous êtes trompé, monsieur, ça c'est la semaine prochaine. Alors si vous le trouvez tout à l'heure, vous le ferez, mais c'est pas très grave. Donc en fait, le sondage était simple, les itils sont-ils déjà parmi nous? Il y avait oui, non et pourquoi, si vous avez la réponse, parce que vous êtes déjà passé à l'émission d'après, monsieur le réalisateur. Dans tous les cas, est-ce que je peux me poser cette question, Jean-Claude, aujourd'hui? Est-ce que je peux, sans paraître fou, me poser cette question et me dire, est-ce que les extraterrestres sont déjà parmi nous? On peut se poser la question, y répondre, c'est très difficile. Oui. Ouais. Y a quand même beaucoup de personnes qui pensent qu'il peut y avoir des extraterrestres qui sont déjà venus nous voir et qui continuent à observer la Terre. Maintenant, en ce qui concerne la communauté scientifique, elle a quelques doutes à ce sujet. Mmh. Et ça, malheureusement, ils ont aussi des arguments qui sont très valables pour nous expliquer le pourquoi et le comment. Alors, on peut peut-être voir la chose par la suite, je ne vais pas débattre là-dessus, mais disons que ce n'est pas impossible, mais ce n'est pas non plus vraiment possible aussi, compte tenu des dimensions de l'univers, si on pense que ces extraterrestres viennent de quelque part de l'univers. Oui, alors, ça c'est une vraie question, savoir s'ils sont extraterrestres ou s'ils sont multidimensionnels, voilà. Ça c'est peut-être aussi à envisager. Malgré tout, pour aller, moi, contre le scientifique, bien sûr que j'en reçois plein ici, je leur dis toujours, mais en fait, le problème, c'est que vous regardez le problème par le prisme de nos technologies et de notre avancée. Je suis en train de lire la suite, enfin, je suis en train de lire un bouquin de Dos Santos, Signe de vie. Et en fait, on prend la formule de Drake, Frank Drake, 10 000 possibles civilisations scientifiques, en tout cas dans l'univers. Ne serait-ce que dans notre galaxie. Hein. Dans notre galaxie. Bon, savoir qu'il y en a 400 milliards, je crois, de la galaxie, c'est un truc de malade. Donc voilà. On peut imaginer que la vie soit développée. Après, on se dit, mais il suffit que nous,
que regardez la vitesse à laquelle ça va depuis 100 ans sur ce pays, rien qu'en France, alors imaginez à l'échelle de la mondiale. Il suffit qu'une civilisation ait juste 100 000 ans de plus que nous. Mais elle peut aller partout, cette civilisation, si elle est intelligente et technologiquement avancée, bien évidemment. Si on peut... Je prends la parole. Oui. Mais si on peut développer cette idée, il faut savoir que, par exemple, si on voyage à la vitesse de la lumière, ouais. pour traverser notre galaxie, il faut 80 000 ans. Ouais. Si on veut atteindre la première étoile hors de notre système solaire, c'est, si ma mémoire est bonne, il faut compter 18 000 années-lumière. Ouais. Et si on veut aller à Centauri, c'est 23 000 millions d'années-lumière. Oui, mais à la vitesse de la lumière. À la vitesse de la lumière. Mais même Einstein avait des doutes sur le fait qu'elle soit la limite de la vitesse. Alors, quand il y a eu l'intrication des particules, le dédoublement des particules, ils se sont dit, il y a un problème, c'est comme ça, c'est instantané. Donc on peut imaginer que d'autres civilisations aient trouvé d'autres moyens de se déplacer. On peut envisager. Voilà. Mais le problème, c'est quand même que, déjà, pour atteindre la vitesse de la lumière, nous, on sait qu'on n'aura pas la possibilité, avant 200 ou 300 ans, d'arriver au dixième de la vitesse de la lumière. On a plus de chances de les recevoir que d'aller les voir. Donc ça, c'est... De là, imaginer qu'on utilise déjà la vitesse de la lumière et qu'on est capable de fabriquer un vaisseau capable de transporter des occupants à cette vitesse, on a du mal à imaginer que des êtres venant de si loin, en mettant si longtemps, puissent venir simplement nous voir, nous faire un petit coucou et repartir sans contact. Mais c'est pour ça que la question, elle est posée, c'est sont-ils déjà parmi nous ? Parce que si tu viens, à un moment donné, moi, quand je vais à l'autre bout du monde, je prends l'avion, je repars pas tout de suite, je reste au moins 15 jours, 10 jours, parce que je suis en vacances, voilà. Bon, on se dit que c'est à peu près la même chose. Mais ça, c'est peut-être ça, la solution. Il y a longtemps que je pense, personnellement, je vais encore prendre la parole, je suis désolé. Non, mais on a une heure et demie, donc Jean va s'exprimer dans quelques instants. Moi, je pense depuis un certain temps... qui sont déjà là. D'accord. C'est-à-dire, ils sont à proximité du système solaire. D'accord. Et ça leur permet justement de faire des voyages, aller-retour, autant qu'ils veulent, sans problème. D'autant plus que dans l'histoire de l'ufologie, on sait par exemple qu'au début des années 54, il y a eu des grosses vagues, hein, l'année 54. Au début des années 54, les vagues françaises se sont déroulées à partir du 10 septembre au 30 octobre. Donc ça s'est passé sur un mois et demi. Mais avant la vague de 54, la grande vague française de 54, on avait repéré des satellites autour de la Terre. C'est l'US Air Force qui les avait repérés. Il y avait le docteur Lapaz, qui était un très grand spécialiste des météorites, avec Clint Tolbridge, qui avait découvert la planète Pluton, qui avait été mandaté par le gouvernement américain pour déterminer à quoi ressemblaient ces fameux satellites, qui ont disparu après en 1955. Donc, si on regarde bien, on sait qu'il n'y a pas de satellites naturels autour de la Terre, on le sait très bien, à part la Lune. Donc, ces satellites étaient donc artificiels. Bien sûr. Et ils sont repartis. S'ils avaient été naturels, ils auraient peut-être été écrasés sur la Terre. Bien sûr. Ce qui n'a pas été le cas. Donc, à mon sens, à partir de 54, ce qui peut expliquer la vague de 54 d'ailleurs, à mon sens, ils nous ont repérés et ils ont décidé de rester dans les environs, si je puis dire. D'accord. Et ce qui leur permet de venir quand ils veulent. De temps en temps venir. De temps en temps, sans aucun problème, de repartir. C'est important ce que vous dites, Jean-Claude, parce que on a posté un article sur... une équipe dirigée par une scientifique, ils ont trouvé des photos vieilles de 70 ans qui montrent 9 étoiles qui disparaissent, c'est-à-dire que sur les planches. Sauf, ils sont aperçus qu'une heure avant, une demi-heure avant que la photo a été prise, il n'y avait pas. Et 6 jours après, elle n'y était plus. Le même endroit. Donc, ils se sont posé question et ça date de 1970. C'est ce qu'on voit à l'écran aujourd'hui. Donc, toutes ces étoiles, voilà. Elles disparaissent. Elles n'étaient pas là avant, elles disparaissent après. Donc, ça pose question et il se pose la question. Alors après, il y a beaucoup de possibilités. On peut imaginer que ça peut être... Elle avance aussi l'idée que ça peut être des fusées artificielles, etc. Voilà. Parce qu'il n'y avait pas de satellites à cette époque-là. Non. Ça a été pris entre 1948
et 1953, je crois, un truc comme ça. Le premier satellite a été lancé le 4 octobre 57. Voilà, donc on peut imaginer. Alors, avant de donner la parole à Jean, on a retrouvé le sondage, je crois, si je ne m'abuse. Voilà, les extraterrestres sont-ils déjà parmi nous? Oui à 63,9%, non 12% et pourquoi pas 24,1%. Donc il y a de fortes probabilités. sur YouTube, 73% disent oui, 8 non et 19 pourquoi pas. Alors Jean, la question, je vous la pose aussi pareil. Est-ce qu'on peut se la poser aisément et sans paraître complètement allumé de dire est-ce que les extraterrestres sont déjà parmi nous? Oh, bon, mais encore une fois, merci de m'avoir invité. Content de rencontrer M. Jean-Claude Sidoun, première fois. Merci. D'abord, je vais m'exprimer sur cette question scientifique classique qu'a rappelé vous, Bob et Jean-Claude Sidoun, la vitesse de la lumière, les distances infinies, les galaxies, les étoiles à centaines, milliers d'années-lumière de distance. Mmh. Je rappelle, je précise que l'étoile la plus proche n'est pas à quelques milliers d'années-lumière, mais elle est à 2,5 années-lumière. Mmh. Oui, c'est la première. Oui. Et en fait, on peut arriver avec 4 ans. C'est-à-dire, on sort du système solaire en 5 heures et on obtient 4 ans supplémentaires pour atteindre la première étoile. Et il faut 80 000 ans pour sortir de la galaxie, pour atteindre la galaxie. Alors, oui, allez-y, je vous en prie. Donc, en fait, c'est une façon de parler, bien sûr, je respecte tout à fait le raisonnement qu'on a entendu depuis des dizaines d'années, en fait, c'est pas un raisonnement nouveau. Fait. Mais je dirais brièvement, parce qu'il y a tellement de choses à aborder, peut-être en une heure, mais... Premièrement, effectivement, comme Bob le rappelle, on est confronté simplement à notre syntaxe scientifique, c'est-à-dire qu'on suppose qu'on ne peut pas faire, on peut pas se déplacer plus vite que la lumière et que l'organisme humain d'ailleurs ne supporterait pas ces accélérations, ces vitesses, etc. Mais il existe quand même beaucoup de théories. On parlait incidemment dans notre contexte de chercheurs comme Jean-Pierre Petit, par exemple, qui parle d'univers jumeaux. Et qui donc sont interconnectés et qui permettent de se déplacer d'un univers jumeau à l'autre et revenir dans notre univers, comme il parle du métro, on descend dans le métro et on accélère beaucoup parce qu'en surface tout est bondé, on aurait un bouchon qui est l'univers physique tel que l'on connaît et on passe dans l'autre univers, dans le métro et on accélère. On a le thème de la pliure de la feuille, hein, l'espace-temps. Alors ce qui n'est pas, totalement dénué de non-sens, voilà. Ils vont y arriver un jour peut-être à faire ça. Voilà, il y a quantité de concepts, de théories avancées par les scientifiques qui sont sans preuve. On sait par ailleurs que le schéma général de la science, qu'elle soit de théorie de la relativité, de la théorie quantique, ne sont pas unifiés. Il n'y a pas de pont commun, il n'y a pas d'unification de la cosmologie. Entre la théorie de la relativité et la théorie quantique, il y a encore des grands vides. Ah oui. Ça, c'est connu, Jean-Pierre Petit le rappelle également. Et surtout, les grandes énigmes que sont la masse de l'univers, l'énergie noire, la masse noire, etc. Ce sont des questions centrales de la cosmologie à laquelle la science actuelle ne répond pas. Je sais que Jean-Pierre Petit voulait avoir un entretien, une émission avec Jean-Pierre Luminet, et finalement, effectivement, ça n'a pas été fait, parce que Jean-Pierre Petit est un petit peu très vif, ça c'est connu, mais ça aurait été intéressant, effectivement, Jean-Pierre Petit voulait interroger le scientifique officiel, si on peut dire, sur ces aberrations de la science qui continuent à s'imposer comme une religion, finalement, comme une doctrine officielle. Ouais, en sachant que Jean-Pierre Luminet, que j'ai reçu plusieurs fois ici, dit « Attention, on ne sait pas grand-chose. Hein. » Ouais. Voilà, il a l'humilité de dire « On ne sait pas grand-chose. » On a beaucoup de théories qui commencent à s'affiner, mais on ne sait pas grand-chose quand même. Donc, pour dire rapidement, pour clôturer rapidement sur ce point central, hein, mais effectivement, on peut très bien imaginer qu'il existe une structure de l'univers qui est inconnue. Ah oui, ça c'est sûr. Parce qu'il faudrait bien qu'on explique la masse de l'univers, l'énergie noire, etc. Et donc, il nous manque beaucoup d'éléments pour... Donc, la science officielle est faible. Il faudrait une mutation, un nouveau paradigme scientifique pour comprendre l'univers beaucoup mieux. Et à ce moment-là, on découvrirait peut-être que le voyage... Le voyage interstellaire est possible, peut-être de plusieurs manières, d'ailleurs. Alors, mais maintenant, je veux dire un deuxième point pour finir sur cet aspect, c'est qu'on peut, dans tous les cas, retourner la question.
Évidemment qu'on peut retourner la question. Comme vous le rappelez, Bob, on a de nombreux témoignages de présence d'objets, les déclassifications récentes du Pentagone ou autres, des objets qui ne sont pas, vraisemblablement pas humains, qui sont présents dans l'environnement terrestre, dans l'environnement du système solaire. En tout cas. Bien, on peut très bien retourner la question en disant, si ces objets sont là, alors, comme vous l'avez suggéré, M. Doun, effectivement, j'avais jamais entendu, mais c'est un point intéressant, ils viennent peut-être d'un environnement très proche, qui ne demandent pas, j'avais jamais entendu cette théorie, mais c'est une théorie qui m'est personnelle, mais disons que, comme j'ai commencé à travailler à partir de 1966 jusqu'à aujourd'hui, il m'est arrivé de consulter pas mal de dossiers, et je continue toujours à consulter. Et je suis arrivé à penser, comme j'ai été voir des scientifiques, qui m'ont exposé la même chose que vous m'avez exposé. Et je me suis dit, c'est vrai que s'il faut 80 000 ans, simplement, pour traverser la galaxie... Pour sortir. Je ne vois pas à la vitesse de la lumière, hein, que nous n'avons toujours pas atteint. Donc, il doit y avoir une autre solution. Soit ils ne vieillissent pas... ou alors, il y a cette multidimensionnalité qui pourrait expliquer la présence d'engins qu'on ne maîtrise pas. Il existe, comme j'aurais dit, une multitude de théories. Plein. Elles sont toutes valables les unes que les autres, exactement. Sauf qu'on n'a pas trouvé de finalité. Non. On n'a pas pu donner une équation qui permettrait de dire oui, effectivement, ça peut être ça. Alors, donc, ça reste dans le domaine de la spéculation intellectuelle. Hein. Bon. Maintenant, si on renverse la question et qu'on devient beaucoup plus pragmatique, après tout, s'ils sont déjà là, et pourquoi pas, si, par exemple, nous avons déjà été contactés dans le passé. Alors, on peut considérer que c'est une ou plusieurs civilisations qui nous ont contactés et qui ont décidé de rester. Et pourquoi pas, ils restent à l'intérieur, peut-être pas à l'intérieur du système solaire, mais peut-être à l'extérieur, ce qui fait qu'on ne les voit pas. Mmh. On n'a pas d'instruments suffisamment développés pour les voir. Malgré qu'on a des instruments comme Hubble ou... James Webb, là, qui va nous donner d'informations. Mais eux, ils ont peut-être un système qui leur permet de se cacher de ce type d'observation simple. C'est simple, en fin de compte. Donc, à mon avis, personnel, mais ça reste à vérifier, je pense qu'ils ne sont certainement pas très loin. Peut-être à 2-3 jours de distance en vitesse constante, tout simplement, sans aller jusqu'à la vitesse de la lumière. Ce qui leur permettrait de revenir à leur guise. Mmh. Et on les voit assez fréquemment quand il y a des guerres sur la Terre, des conflits. Des problèmes nucléaires, des choses comme ça. Des conflits nucléaires. Ouais. Bon, en ce moment, avec ce qui se passe au nord de l'Europe, on voit que les Américains ont commencé à dire, mais depuis un certain temps, on voit pas mal d'ovnis et comment on s'interroge. Et les Américains ont rouvert les dossiers qu'ils avaient fermés en 69 et il n'y a pas si longtemps, il y a une semaine, ce débat a été discuté au Congrès aux États-Unis. Pour la première fois depuis 50 ans, en séance ouverte. Hein. Donc, si les Américains se posent cette question, ça veut dire que quelque part, ils n'ont pas la réponse. Non. Donc, on peut éliminer les armes, soi-disant, expérimentales, qui pourraient être éventuellement testées en secret et autres. Bon. Et moi, je pense personnellement, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, je pense qu'ils sont pas loin, c'est ça qui leur permet de venir. Ouais. Donc, on discute des théories de distance, ça n'existe plus. Elles n'existent plus. On détruit l'argument scientifique en disant... Oui, malgré tout, il a fallu qu'ils viennent à 2-3 jours, quand même. Oui. C'est-à-dire que s'ils viennent de très loin, il a fallu qu'ils viennent, quand même. Alors, ils sont peut-être venus... Pour être dans cette périphérie, parce que 2-3 jours de la Terre, c'est la banlieue. Hein, j'ai dit, ils sont peut-être venus déjà depuis l'Antiquité. Alors, c'est ça. Et donc, ils ont pu venir faire quelques excursions sur la Terre depuis l'Antiquité. On parle des anciens astronautes, etc. Entre autres. Alors, moi, je ne dis pas que c'est la vérité, mais pourquoi pas, après tout. Nous sommes dans le domaine de la réflexion. On ne peut pas éluder cette question comme ça, par un haussement d'épaule. Il n'est pas impossible qu'ils aient pu venir nous aider, peut-être, quelquefois. Et puis, bon, si on prend les légendes... on s'aperçoit que, bien souvent, les dieux ont un rapport avec les humains. Prométhée, par exemple, qui a donné le feu aux hommes. Bon, on s'aperçoit le petit pouce que ces dieux auraient donné à l'homme pour qu'on en arrive à ce qu'on est aujourd'hui. Voilà, donc c'est peut-être une image. Hein, on voit qu'il y a une certaine corrélation. Mais je renvoie aux travaux de Mauro Biglino, dont on a posté la dernière émission sur BTLV. Il parle que de ça. Il dit, dans l'Ancien Testament, il n'y a que ça.
Alors, je ne dis pas que c'est la vérité. Mais non plus, mais ça fait partie des pistes de réflexion. On peut l'imaginer. Bien sûr. Alors, à partir de là, bah, ils sont quelque part, ils peuvent venir, ils continuent à venir nous voir. Mais ce qui est intéressant, c'est pourquoi ils viennent nous voir. C'est ça la vraie question. Alors, justement, on va avancer là-dessus. Je vous rappelle juste quand même, c'est ce qui m'a le plus scotché, c'est qu'effectivement, avec ces déclassifications, par le Pentagone de dossiers. Les derniers en date, c'était il y a une quinzaine de jours, on avait fait une émission ici, sont tirés de travaux du MUFON quand même, attention. Et on y apprend que des entités ont été observées par des militaires qui ont souvent été brûlés, qui sont revenus psychologiquement défaillants, et qui peut-être même des femmes qui soient tombées enceintes. Vous imaginez, c'est quand même un rapport du Pentagone qui fait mention de tout cela. Alors, ça paraît complètement fou. Mais why not ? Moi, en tout cas, je suis ouvert à tout. Je dis, comme toujours, je ne crois en rien, j'envisage tout. On va dans un instant écouter James Clarkson sur ce qui s'est passé sur la base de Wright-Patterson. Mais avant cela, on va faire un tour sur les réseaux parce qu'on accueille Thomas Nouvel qui va être le lien tout au long de cette soirée entre vous et nous. Thomas. Bonsoir Bob, bonsoir à tous. Alors, il se passe beaucoup de choses. Déjà, on ne va pas se mentir, vous êtes tous à dire qu'ils sont présents parmi nous. Certains même font des petites blagues dans le chat en disant « j'en suis ». Bon, écoutez, si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à nous contacter. Mais témoignez dans la libre antenne. Exactement, voilà, 01 86 22 21 20 ou rédaction@btlv.fr, jusqu'au bout. En tout cas, on a par exemple Monia qui lui dit « ils sont parmi nous, aujourd'hui et dans le futur, nous les verrons de plus en plus ». On a également... Ce qui n'est pas totalement faux quand on voit depuis 2004 ce qui se passe au large des côtes californiennes où tous ces navires de l'US Navy filment des choses qui sont absolument incroyables. On a aussi Monia qui nous dit « les extraterrestres ne sont pas ceux que nous croyons ». Un peu comme ce que nous avaient dit nos invités il y a deux semaines. Oui, Nathalie Knepper et Anton Parks. Exactement. On n'a aucune idée de qui ils sont véritablement. Certains vont les appeler des dieux, d'autres des entités, des galactiques, de ce que... Voilà. De toute façon, comme on ne les a jamais rencontrés officiellement, peut-être que certains les ont rencontrés officieusement. C'est ça. On ne sait pas ce que c'est. Et puis, un petit dernier message pour nous dire que les extraterrestres, a priori, ne sont pas dangereux, sinon ils nous auraient déjà fait du mal. Alors, il y a deux choses. Oui, d'un côté, et je rappelle toujours la maxime de... Enfin, en tout cas, la réflexion de Stephen Hawking qui disait « il vaut mieux pas trop aller chercher parce que s'ils viennent jusqu'à nous, c'est qu'ils ont peut-être des technologies qui pourraient nous qui leur permettraient de nous anéantir. » Alors, on va revenir, Jean, sur James Clarkson. OVNI, les secrets de la base Wright-Patterson. James Clarkson, c'est un personnage que j'ai eu le plaisir de recevoir et qui, lui, revient avec un bouquin sur June Crane. June Crane était une personne qui était assez remontée avec une accréditation. Accréditation au secret défense, oui. À l'époque de Roswell. Regardez ce qu'il dit et on en parle après. She had a couple of direct experiences which we can certainly go through. But overall, she was in the right place at the right time with the right security clearance to hear people talking about alien bodies. In one case, she knew a pilot. They were having coffee together. And this master sergeant is talking about how on the previous day he had flown in from the southwest with bodies and wreckage. And there was kind of a mistake was made in the conversation because everyone at the table thought that he was going to describe the crash of a military aircraft and that perhaps the bodies were that of people that maybe they knew, other personnel from Wright-Patterson. But she, about that time, this pilot says, no, you don't understand. They weren't human. And then he gave the classic description of a childlike form with an extra large head, strange hands, etc. Les secrets de la base Wright-Patterson avec James Clarkson, émission magnifique, tant elle est alimentée d'informations et de sources, c'est ça qui est très intéressant. Pour info, si vous n'avez pas vu l'émission de June Crane, on avait ras-le-bol de ce que l'armée officielle, les déclarations officielles disaient. Elle a dit « avant ma mort, il faut que je parle » et elle s'est confiée à James Clarkson. Quand on entend ça, Jean, quand même, là... Ça fait 70 ans qu'on nous parle de ces petits êtres qui ont été récupérés et tout machin. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose, il n'y a jamais de fumée sans feu quand même.
n'a jamais fumé sans feu. Alors, je rappelle que June Crane s'est exprimée en 1997. Bien sûr. Elle est morte peu de temps après, enfin, 2 ans après, je crois, un truc comme un an après. C'est ça, c'est ça. Oui, c'est, oui, vrai, c'est un an après. Mais en l'occurrence, elle signale, enfin, c'est très exprimé dans le témoignage de James Clarkson, dans le livre, comment il a connu June. Il l'a connu en 1993, à l'occasion d'une conférence dans une petite ville de l'État de Washington, parce qu'il était déjà directeur du MUFON pour l'État de Washington. C'est un policier de formation, sergent détective. Et elle lui a dit, à la suite, elle travaillait pour cette bibliothèque municipale à Ocean Shores. Elle lui dit, j'ai des choses à vous révéler, mais elle ne s'est pas entièrement confiée à lui en 93. Elle s'est confiée à lui 4 ans après. Oui, c'est ça. Et James Jackson explique qu'en tant qu'enquêteur, même policier, c'est quelquefois les témoins rechignent à confirmer qu'il faut être patient dans surtout une enquête sur ce de police et même une enquête du follow. Quelquefois, une enquête dure des années, vous devez le savoir, c'est doux. Et donc, 4 ans après, il n'était pas étonné qu'elle le rencontre 4 ans après. Il dit, hi, it's you, June. OK, how are you? I'm glad to hear you. Et c'est à ce moment-là qu'elle s'est confiée à lui. Elle a explosé. Elle lui a dit, elle a dit des gros mots. Elle a dit, fucking liars, oh, etc. Yeah. C'était le salopard de menteur, voilà, en gros. Voilà, je traduis. C'est une gentille traduction. Voilà, c'est oui, ça. Oui, oui. Ouais. C'était le rapport de l'Air Force sur le cas Roswell. Alors, c'était Roswell, de point case closed, affaire classée. Bien sûr. C'était le rapport de mars 1997. Et donc, June Crane, on a tous ces accréditations sécuritaires, toutes ces affectations sur la base de Wright-Patterson, entre 42 et 52. La base faisait quelques centaines d'employés militaires et civils en 42, 41. Et à partir de 42, justement, au moment où elle était recrutée elle-même, eh bien, ça a explosé. C'est une ville, après, ça a été une ville. Jusqu'à 35 000 employés en 45, oui. Mais 35 000 en 45, à l'époque. Et pourquoi? Pourquoi? Eh bien, déjà, c'était déjà l'effort de guerre, hein, les Américains préparaient. On avait entreposé la puissance nucléaire américaine. Ah ben oui, parce que c'est dans le côté. Ce qui fait qu'on a doublé les effectifs, même triplé les effectifs. Oui. On a fait venir des scientifiques pour maintenir en condition les bombes atomiques. On parle de Roswell, on parle pas de Patterson. On parle de Roswell. Oui. Oui, mais on parle pas de Roswell, là, on parlait de Wright-Patterson. Oui. Je parle de pourquoi les effectifs ont été démultipliés. C'est parce que cette zone a été d'abord très surveillée, puisque c'est là qu'on détenait la puissance nucléaire américaine, qui était la seule au monde d'ailleurs. Et on construisait, il y avait Los Alamos à côté, on construisait d'autres bombes. Et on travaillait déjà sur la bombe H. Il y avait H. des projets en plus, il y avait des projets technologiques, etc. Avec Edgar Teller. Bien sûr. Bon. Ce qui fait qu'on a fait venir beaucoup de scientifiques dans cette zone. Il n'y a pas que des militaires, on a fait venir beaucoup de scientifiques. D'ailleurs, cette zone, dont la zone 51 fait partie, était sous un périmètre très protégé. Et on ne parlait même pas de la zone, elle ne faisait pas partie de la cartographie officielle américaine. Non, simplement pour répondre à la question, que ce n'est pas extraordinaire qu'à partir de 1945, les effectifs se sont démultipliés. Donc, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, ce n'est pas à cause de cette histoire. C'est pour une autre raison. Après, la vraie question que j'ai envie de vous poser quand même, parce que... Je crois qu'il y a un malentendu, mais je crois qu'on n'a pas le temps de le... Ce que dit Jean-Claude, il a raison, parce que c'est devenu un endroit où, de toute façon, il y avait le projet, et c'est devenu un endroit d'expérimentation pour les... Le projet Manhattan, au départ. Voilà, exactement. Mais le départ, quand même, de cette histoire... Moi, c'est marrant, parce que quand j'ai eu, je crois... on aura un extrait tout à l'heure de Peter Robbins. Je lui disais, mais est-ce que c'est pas là que... En fait, on a la sensation que c'est à partir de cet événement que même la CIA s'est mise en place. Que le cover-up, qu'on a commencé à avoir des agences gouvernementales qui disaient « Tais-toi, les premiers en mon noir qui disaient « Monsieur ». Ça a commencé avant. Voilà. C'est quand même 47 où on a commencé à dire « Hé, calmez-vous ». Quand on voit ce qui se passe quand même à l'annonce du crash de Roswell, où l'armée dit « On a récupéré une secoue volante » et que juste après, on dit « Non, non, finalement, c'est pas ça ». C'est pas l'armée. Ah bah si, l'armée. C'est l'armée qui déclare, non. Qui va à la radio, qui dit, regardez, il y a un document. C'est Walter O qui était le public relation de la base. Oui, mais c'est lui qui... Il représente l'armée quand même, Jean-Claude. Non, il a reçu l'ordre de donner une information. Mais donc c'est l'armée. L'information a été publiée dans le Daily Roswell Record. Ouais. Et le Daily Roswell Record, le 9, a démenti l'information. Mais ça, c'est
les gens ne le disent pas. Le problème, c'est que ce n'est pas l'armée. Le Pentagone a repris les choses en main. C'est une personne qui a décidé de donner cette information. D'abord, c'est très facile à comprendre. Ils ont dit, on a récupéré un disque volant. Est-ce qu'ils se sont déplacés ? Non, personne, à part Jeff Marcel et Eric Sheridan. Oui, Sheridan. Mais pourquoi Sheridan Jesse Camille. Marcel, par la suite, il a voilà. dit qu'on lui avait demandé de faire ça là, ces deux personnes-là ont été effectivement sur le ranch Foster. Ouais. Ils ont ramassé quelques débris. Bon. Mais la personne qui a annoncé avoir récupéré une soucoupe volante ne s'est pas déplacée. Mmh. Elle n'a même pas été sur le terrain. C'est une information bidon. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'armée a donné officiellement une information bidon ? C'est pas l'armée. Ouais, non, mais c'est... Non mais Jean-Claude, moi je suis militaire, je suis dans une base, même si je suis à Tourcoing, et que je suis responsable de la communication de la base, si j'annonce qu'on a récupéré une soucoupe volante, je parle au nom de l'armée. Non. Bah si. Non, la preuve c'est que le Pentagone a démenti le soir même. Oui, mais alors ça peut être le début du cover-up. Non mais il faut raison garder. Oui. Roswell, ça s'est passé le 2 juillet oui. 47. Oui. Officiellement, le 24 juin 1947, Kenneth Arnold fait la déclaration. Mmh. Il se passe 15 jours. Mmh. 15 jours où tout le monde se pose des questions. Mmh. L'armée a voulu rassurer la population, dire « Oh, pff, ne vous inquiétez pas, on a récupéré, on va vous dire ce que c'est. Mmh. » Sauf qu'ils n'ont rien récupéré du tout. Mmh. Ils se sont même pas déplacés. Et dans cette affaire, il y a beaucoup de choses à dire. Mais le Roswell, le délire des Roswell Records, qui a ramené l'information, qui a donné l'information, il l'a fait comme les autres journaux. Mmh. On lui a dit ça. Mais c'est l'officier Walter O de la base qui a donné cette information sans s'être déplacé et sans avoir vu quoi que ce soit. Moi, ce que je trouve absolument incroyable, quand même, c'est qu'aujourd'hui, tout ce qui est dit depuis 70 ans, qui a été roulé dans la farine, où on dit tout ça, c'était bidon, c'est n'importe quoi, moi, je vais quand même une nana qui s'appelle Avril Haines, je ne sais pas si vous connaissez, responsable de 16 agences gouvernementales de renseignement aux États-Unis, qui va à la tribune et qui dit... On est face à quelque chose qu'on ne maîtrise pas et il ne faut pas inenvisager la piste extraterrestre. Oui, tout à fait. Bah, c'est juste énorme, vous voyez ce que je veux dire. Oui, donc c'est... on a la sensation que tout ce qui était un peu caché aujourd'hui, ou qu'on montrait du doigt, commence parce qu'en fait ils sont débordés, parce qu'il y en a partout là, en ce moment. Donc, tout à fait. C'est ça. C'est difficile de garder. De garder le secret. Voilà. Donc, vous pensez, Jean, qu'on a caché quelque chose vous... Écoutez, dans ce cas-là, je ne comprends pas comment on conduit le débat, là, parce qu'on est parti sur June Crane, et là, je crois qu'on l'a oublié. On était sur la base Wright-Patterson, on l'a oublié en 10 secondes, on est parti sur Roswell. Là, moi, je me repère plus, là. Non, mais pourquoi ? Alors, je vais vous aider à vous repérer. Non, mais je comprends les erreurs. Hein, mais ce n'est pas une erreur. Déjà, parce que je n'en fais pas, parce que je mène le débat, dire, voilà, et je sais où je veux aller. June Crane dit qu'on a récupéré des êtres, donc voilà. Elle dit, et elle parle de Roswell quand elle parle de ces êtres-là, donc c'est pour ça qu'on va automatiquement sur la base. J'ai bien perçu. Est-ce que vous avez la sensation, Jean, qu'on a de toute façon, à un moment donné, soit caché quelque chose, et qu'aujourd'hui tout ce qu'on disait qui était un peu caché à l'époque par la force des choses, finalement est presque validé. Alors, valider alors les divulgations du Pentagone, une fois, là je suis tout personnellement, même si vous signalez quand même que c'est des éléments importants, comme des militaires signalent j'ai écouté très très brièvement, enfin j'ai pas vraiment eu le temps d'écouter toutes les retransmissions, les auditions au Pentagone, mais vous signalez quand même des points. Je suis quand même très sceptique sur la volonté, la sincérité des militaires de vouloir divulguer véritablement. Je pense qu'on révèle certains points, mais beaucoup de points centraux ne sont pas abordés. Mmh. Je pense que la divulgation, je parle de Gilles Labourdet qui me dit que la divulgation doit être progressive parce que la population serait trop choquée, etc. C'est quelque chose qu'on a entendu encore depuis 50 ans. Ça fait des années qu'on dit ça. Moi, j'ai plus envie d'entendre ce raisonnement, non pas qu'il est totalement absurde, mais je dis, si les autorités
Le Pentagone parle, mais le président de la République, Joe Biden, ne parle pas. Alors le Pentagone parle, mais qui est-ce qui parle? Qui sont les chefs du Pentagone? Est-ce que le ministre parle? Qui sont ces chefs? Quand on parle de Louis Elizondo, c'était l'ex-patron de la TIP, mais qui est le nouveau patron? Il est plus, mais il parle au nom de qui? Et qui est le... etc. Tout ça, il y a une confusion, une mise en scène terrible autour. Et la confusion, finalement, même pas inaperçue dans la gestion médiatique. Donc il y a toujours une grosse influence de l'opération, de la mise en scène médiatique, et les gens réagissent de manière émotionnelle, de manière impulsive, face à toute réaction. Mais je dirais qu'un point important, s'il s'agit si l'on considère un point de la divulgation extraterrestre, effectivement, alors ce Sidoun nous suggère que peut-être qu'il n'y a pas eu de crash à Roswell. C'est un point de vue qu'il faut respecter. Permettez, M. Sidoun. J'ai peut-être mal interprété votre point de vue, mais de toute façon, c'est un point de vue qui se respecte dans tous les cas. Mais dans tous les cas, s'il n'y a pas eu de crash extraterrestre à Roswell, ou s'il y a eu un crash extraterrestre à Roswell, une divulgation importante consiste à nous parler du crash authentique ou un fake, enfin une illusion, une manipulation de Roswell. Ce serait un point central. Alors, Lucie Lisondo, on parle également. Ah oui, Roswell, d'après moi, il me semble que, j'ai bien entendu que, et je dois vous dire que, oui, des mots, des paroles très intéressantes d'un initié, d'un pseudo-initié, d'un supposé initié, mais concrètement, on n'a rien. Tout à fait. Alors, on parle de la base de Wright Patterson, on parlait de June Crane. Excusez-moi, monsieur Sidoun, mais vous avez dit que Roswell a gonflé en population de militaires. Ce n'est pas exactement le cas. Forcément, Roswell, c'est une base qui s'est développée parce que c'était la seule base d'entrepôt d'armes nucléaires. Et ce sont les armes qui étaient qui étaient celles-là, qui sont parties à Nagasaki, on le sait, pas par les îles Mariannes, etc. Le projet Manhattan était donc à Los Alamos. C'est une énorme infrastructure. Je connais très bien le dossier, sans prétention, monsieur Sidoun, parce que j'ai traduit un livre qui a eu un certain écho, mais dont on ne parle pas beaucoup, qui est Aztec 1948 de l'auteur, de trois auteurs, Frank Tyler, Scott Ramsey et sa femme, qui est un livre vraiment magnifique, très très fort, Bob, et j'aimerais bien présenter ce livre, que vous présentez ce livre en occasion. Et donc c'est une étude extraordinaire, très très, il a passé 25 ans, Scott Ramsey, c'est un ingénieur en câble électrique, qui gagnait très très bien sa vie. Il a passé 25 ans sur cette enquête, qui est un crash qui s'est produit en 48, en mars 48. Oui, au Nouveau-Mexique. Au Nouveau-Mexique, 8 ans après Roswell. Et donc Los Alamos est intéressé dans ce cas. Voilà, je ne veux pas rentrer dans le détail. Mais donc, effectivement, il y avait peut-être une centaine, 100 000 personnes à Los Alamos. L'élite scientifique américaine était là. Bon, ça c'est Roswell, Los Alamos. Maintenant, Wright Patterson, ce dont on parlait à propos d'une crise, c'est encore autre chose. Wright Patterson, c'est une base qui avait quelques milliers de militaires, non plus civils, et au moment de l'effort de guerre en fin 41, puisque c'est en décembre 41, Pearl Harbor, l'Amérique entre en guerre, et ensuite, qui grandit à 35-45 000 employés. Et donc, Wright Patterson est associé à nos questions de l'ufologie, est toujours mentionné dans le cas Aztec, dans le cas Roswell, dans tout, parce que selon tous les bruits qui courent, tous les indices, enfin, tous les objets qui auraient été récupérés sont passés à Wright Patterson. Et d'ailleurs, elle dit, June Crane, dans le bouquin, que Von Braun est venu, que Einstein a fait un tour sur la base. Donc, il y avait White Sand à côté. Oui, donc voilà, donc fatalement... C'est tout à fait normal, White Sand... Mais ils sont venus, donc voilà, donc ils se sont intéressés à ça. Les nazis qui ont été récupérés de Penninbun ont été transférés de Fort Bliss à White Sand. Wright Patterson, c'est autre chose, c'est dans l'Ohio, c'est vers les Grands Lacs. Oui, oui, non, mais... Jean... On parlait de Roswell. Oui. Pour vous... on est déjà beaucoup plus loin que ce qu'on veut nous dire dans l'ufologie. J'ai la sensation qu'en tout cas, intrinsèquement, vous pensez qu'on ne dit pas tout. Alors, vous allez inviter Preston Dennett. La semaine prochaine, je crois que je le reçois, c'est ça? Oui, le début juin, le 2 juin, d'après ce que m'a dit Noémie. Donc, c'est un livre que j'ai traduit avec mon associé Jean-Jacques Roux, et qu'on a publié il y a quelques mois déjà.
Preston Dennett est un auteur qui a écrit plus d'une dizaine de livres aux États-Unis, c'est différent. Oui, puis qui s'intéresse aussi depuis la fin 80, je crois. Oui, c'est un enquêteur certifié du MUFON, Los Angeles, enfin, ou San Francisco, je ne sais plus, mais Californie en tout cas. Mais alors, je parle avec lui, je lui dis, mais alors Preston, la Navy déclassifie, et le Pentagone. On a des photos, là, de 2017, vidéos, de 2004, c'est spectaculaire. Et bien, il me répond, comme Jim Clarkson, comme Tom Carré, qui est le spécialiste mondial de Carl Roswell, Tom Carré, moi, je vais le dire, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit au propos de l'audition, il a dit, un gros mot, quoi. Oui, d'accord. Okay. Il n'y croit pas du tout. Mais il me dit, Preston Dennett, mais les objets sous-marins qui sont signalés en 2004, ou 2017, 2019, récemment, au large de la Californie, qui est une zone militaire, on sait que la Californie... C'est sur ce sujet qu'on fera l'émission avec Preston Dennett. Hein. Des centaines de bases, j'en ai parlé avec Patrice Galacteros récemment, parce que je vais présenter le livre OVNI Paris, bientôt. Des centaines de bases militaires en Californie, le long de la côte. Mais il me dit, mais ces phénomènes marins, et même beaucoup plus spectaculaires que ceux qui ont été photographiés ou qui sont signalés, mais nous les connaissons depuis les années 50 et 40, et les années 60, 70. Et nous avons des témoins militaires, des témoins civils, des simples baigneurs, des gens qui sont sur la plage à Malibu, qui en 1962 voient d'énormes objets qui plongent à l'horizon, c'est-à-dire à 10 km de profondeur. Et il n'y a aucun militaire qui vient de dire « Bon, bah, écoutez, on va faire décoller les Mirages hein, ou les F-17. » Les Mirages, ça pourrait... Non, pas les Mirages, c'est français les Mirages, monsieur. Français. Mais non, ça veut dire que... Donc, les hélicoptères, alors qu'ils sont... Jean, alors là, ça revient à la question initiale de l'émission. Ils sont parmi nous. Alors, ils sont là. Moi, si je peux me permettre... Vous vous permettez tout ce que vous voulez, mon cher Jean-Claude. C'est gentil. Si je peux me permettre, je redis ça. Il faudrait considérer, est-ce que nous voyons, est-ce que c'est vrai ce que nous voyons? Ah. Parce qu'en réalité, si on considère qu'ils sont extraterrestres, mais ça reste une hypothèse, admettons. C'est une des possibilités. Une des possibilités, d'ailleurs, certainement la meilleure possibilité qui soit à l'heure actuelle. D'après nos connaissances scientifiques. Maintenant, si je fais une petite parenthèse, si on admet qu'il y a d'autres univers, et d'autres dimensions, on peut arriver à d'autres théories voilà, spéculatives, encore imaginaires. Bon, mais admettons que cette théorie soit la bonne. Elle a été développée à partir de 1948, suite justement aux interrogations qu'avait le livre qu'avait lancé Scully. Les soucoupes volantes sont parmi nous, en fin de compte. C'était en 1950. Scully qui a donné d'ailleurs le nom dans X-Files, hein, à Scully. Hein, voilà. Parce que c'est en hommage à Scully. Alors, hein. C'est Frank Scully, je crois. Frank Scully. Traduit en 1951. Voilà, c'est ça. En 1951, aux éditions françaises qui s'appelaient à l'époque Correa. Correa. Bon, alors... On a l'image de l'extraterrestre type déjà dès 1948, si on regarde ce qu'avait rapporté Scully. Bon, il a été mis en ballottage, on a vu que son histoire ne tenait pas la route avec le docteur G. Bon. Mais on a dans l'esprit du public l'image type de l'extraterrestre, c'est-à-dire petit, chauve, des grands yeux, des bras assez longs. Le petit gris, quoi. Voilà. Pour faire court. Donc dès le départ, on a le type même de l'extraterrestre qui, aujourd'hui, n'est pas tellement différent, sauf qu'il est un petit peu plus grand et un peu plus fémélique. Voilà. Mais, donc, on a l'idée qu'ils nous ressemblent, qu'ils sont donc humanoïdes, comme nous. Bon, alors ça, évidemment, les exobiologistes vous diront, bah écoutez, pour qu'ils aient une forme humanoïde, il faut quand même certaines conditions... très particulière. Il faut qu'ils aient les conditions similaires à ce qui s'est passé sur la Terre. Et ça, on peut concevoir que ça ne peut pas se faire dans toutes les planètes soi-disant habitables. Ouais. En fonction du milieu, la forme et même l'intelligence sera développée d'une manière différente. On voit bien que les animaux qui vivent dans,
les poissons ou les dauphins qui vivent dans la mer n'agissent pas de la même façon que ceux qui sont sur la Terre. Bien sûr. Ils n'ont pas les mêmes... caractéristiques. Les mêmes instincts et même les mêmes particularités. Les dauphins n'ont pas besoin de radar. Donc voilà, donc il faut... Pour qu'il y ait des extraterrestres qui soient humanoïdes et qui puissent nous ressembler et qui puissent avoir également une science relativement identique à la nôtre, c'est-à-dire avoir des véhicules qui peuvent manœuvrer, se poser, repartir. Certains, on prétend qu'ils ont des scaphandres ou autres, mais bien souvent on nous dit qu'ils peuvent respirer notre atmosphère, ce qui est quand même assez rare, parce que nous, si on va sur Mars ou sur une autre planète, on se protège avec un scaphandre. On fait attention à stériliser les scaphandres et autres. Bon. Après, on a eu des témoignages de gens qui ont vu des gens casqués en combinaison. Moi, aujourd'hui, oui, le petit gris a pris la place. Oui, mais le petit gris, il est rentré dans l'inconscient collectif, dans la culture populaire. Voilà, mais il continue à être véhiculé. Quand on parle d'extraterrestres, la première des choses que les gens vous diront, c'est le petit gris. Mmh. Alors que si on reprend les années 1970, par exemple, 60-70, on s'aperçoit que les humanoïdes étaient plutôt des gens qui nous ressemblaient. Mmh. Jader et Pereira, qui avaient fait en 67 une étude au Brésil, parlaient du type 1, qui est une personne qui nous ressemble. Après, le type 2, le type 3, le type 5 sont des gens différents. On va même jusqu'au cyclope. Mais ça veut dire qu'ils ont quand même une morphologie humanoïde. Et ça, c'est quand même assez difficile à concevoir pour les exobiologistes, qui imaginent que, en fonction du milieu, la forme peut être tout à fait différente. Certains exobiologistes et d'autres pensent tout à fait le contraire. Lesquels ? Ah non, vous ne citez pas de nom. Est-ce que je peux prendre la parole maintenant ? Bien sûr. Alors, non, Jean-Claude Sidoun, c'est intéressant, mais c'est un point aussi très important, effectivement, sur lequel il faudrait peut-être des heures pour débattre. Thibaut Canuti, qui est fâché avec moi parce que on ne dit pas du mal de Jacques Vallée. Je regrette, il n'y a pas de saint en ufologie. On peut critiquer tous les auteurs les plus célèbres. Et c'est ça d'ailleurs de critiquer. C'est pas moi qui critiquais Jacques Vallée, c'est Monsieur Donald Smith, l'expert mondial sur Roswell et sur les crashs d'OVNI. Et James Clarkson, l'expert du MUFON sur ces dossiers-là. Donc on a le droit et on a le devoir de relayer les travaux des chercheurs. Mais Thibaut Canuti a rappelé il y a quelques années, justement, entre autres, à travers ses études sur les travaux très respectables de Jacques Vallée, comme on le sait, néanmoins, qu'effectivement, la question est tout à fait posée, qu'effectivement, qu'il existe des normes tout à fait globales sur les conditions de la vie à l'échelle galactique et qu'il puisse exister des constantes tout à fait simples. Alors, on sait que... Il y a beaucoup de scientifiques qui sont d'accord avec ça. On sait que le développement des anthropologues, les paléontologues expliquent très bien que, même que ce soit la théorie newtonienne, enfin, je veux dire, darwinienne ou pas, mais disons que l'être humain, en tout cas, avait besoin d'une oxygénation particulière du cerveau, qui était de mener à la position verticale. Donc la constitution humanoïde, que ce soit une tête de serpent, de reptile ou d'autres, comme on apparaît dans certaines espèces extraterrestres, est une condition, hein, une certaine oxygénation du cerveau qui se pose à la position verticale humanoïde. Donc voilà, l'idée que des extraterrestres qui vivent à proximité dans une étoile proche, à quelques dizaines d'années-lumière, ou à quelques milliers d'années-lumière, ou à quelques millions d'années-lumière dans d'autres galaxies ou de l'autre humanité, eh bien, et la même formologie que Jean-Claude Sidoun, que Matisse, que Bob, que moi, n'est pas absurde en soi. Et c'est là que le défi de la réflexion aujourd'hui. Mais qu'un extraterrestre, au contraire, contrairement effectivement à l'image d'Épinal, du gris, de ceci, cette évaluation sociologique que vous évoquez, hein, en fonction des médias, alors en années 70, il sera comme ça, et puis on parle du petit gris en 48, et bien donc ça en rentre dans l'inconscient collectif, il va être comme ça. Bon, il y a cet aspect-là, mais on peut très bien aussi considérer que effectivement le phénomène est réel, et dans tous les cas, que ces espèces... Certaines espèces sont humanoïdes à 100%, comme on parle des Nordiques aujourd'hui. Ce sont des questions qu'il faut se poser. Un homme extraterrestre qui vivra à plusieurs centaines de milliers d'années-lumière, il arrivera ici, sera le portrait craché de M. Jean-Claude Sidoun. Ah, il y en aura deux. Donc voilà. C'est une question qu'on a le droit de se poser. Deux pour le prix d'un. Une hypothèse qu'on a le droit de faire. Non, mais...
On n'a pas de raison de s'interdire. Il n'y a pas de raison de s'interdire, effectivement, cette possibilité que la vie se soit développée ailleurs. Oui, cette possibilité est actuellement envisagée par pas mal de scientifiques, je le connais. D'ailleurs, la forme humanoïde, si on regarde même au départ les observations d'humanoïdes que l'on croit être une humanoïde, parce qu'on ne sait pas, après tout, si ce ne sont pas des projections holographiques, mais admettons, eh bien, ils ont tous une forme humanoïde. Ouais, ouais. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire. En tout cas, c'est la forme la plus simple pour choper quelque chose, pour arriver, pour qu'on puisse déjà... Parce il que... semble que ce soit la forme la plus répandue de l'univers. Bon. Développement psychocognitif. Voilà, hein, c'est ça. Donc, le roi Gouran. Moi, je ne dis pas autre chose que ça. Seulement, il peut y avoir les êtres qui nous visitent par l'intermédiaire des soucoupes volantes peuvent ne pas avoir une forme humanoïde. Et après, on peut imaginer aussi que toutes ces choses que l'on voit quand même, ça peut être aussi des sondes. Des projections. Non, mais des sondes, parce que, au-delà même de la projection, nous, on en voit bien. Des sondes, regardez, vous me disiez, il y a une sonde qui est partie, qui est sortie de notre système solaire. Voilà. À un moment donné, on peut imaginer qu'eux aussi, vu les distances, ils ont peut-être envoyé des trucs il y a 100 000 ans, et qui aujourd'hui nous observent. On peut tout imaginer, donc, sur ce dossier. Il y a peut-être même, et d'ailleurs il y a peut-être les deux, il y a peut-être des extraterrestres qui nous disent, et des sondes qui viennent nous voir. Donc, alors maintenant, des robots, il y a peut-être des robots, etc. Maintenant la question qui demeure, c'est pourquoi viennent-ils ? Alors, on va y répondre dans quelques instants, en tout cas les questions que je vous poserai, puisque ça faisait partie de mon introduction. Je voulais juste regarder Thomas sur les réseaux sociaux. Eh bien écoute, on est un peu raccord sur la même question, hein. C'est pourquoi ils restent surtout chez nous, hein. C'est vraiment ça qui est-ce est que posé. Tu as vu quand même Sharon Stone quand elle était à son plus jeune âge, Charlize Theron, quand tu vois toutes les jeunes femmes qui sont magnifiques, peut-être que les extraterrestres se disent « Ouh !» Pour les canons, elles sont belles, les terriennes. Et les Elohim. Ouais. Biblique. Après, certains pensent que les extraterrestres nous auraient créés et ils seraient pas forcément fans du résultat qu'ils ont eu. Mais bon, en tout cas, ils sont là pour surveiller un peu notre évolution. C'est ce que certains disent. Et puis après, beaucoup parlent vraiment d'apparitions très particulières. Alors, la surveillance de l'évolution, c'est pas inintéressant. Ça voudrait dire quand même qu'il y a un but derrière. Parce que si on surveille un élève, c'est pour qu'il fasse bien son travail. Donc là on va revenir au plan et pourquoi viennent-ils. Je voulais qu'on fasse un petit extrait de Peter Robbins, un enquêteur à la recherche de la vérité. Regardez, parce qu'il aborde un sujet qu'il faut aborder, bien sûr, dans cette émission. Linda Courtille. The woman at the center of this story, who in the most famous part of the story was taken out of her apartment, literally taken, floated through a glass window into a craft observed by dozens of people. There were two articles in that December 17th, I think, 2017 issue of the New York Times, and the second one was an interview with one or two of the Navy fighter pilots who observed what has now come to be called the Tic Tac UFO. The fact that the United States Navy on its own, not the Pentagon, but the Navy, said, "What is this? It's not ours. Is there some other branch, the Army, the Air Force? Are you doing this? No? Well, then maybe it's secret Russian craft, like they said in 1947. Maybe it's the Chinese, which is newer. Or maybe it's space people, you know, extraterrestrial." OVNI, un enquêteur à la recherche de la vérité, c'est Peter Robbins. Toute la série, bien sûr, ufologique est sur BTLV. Et je vous rappelle que vous pouvez vous abonner. Il faut être abonné, bien sûr, à BTLV pour pouvoir avoir accès à ces émissions. Il y a un labo solidaire pour ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens. Et puis en ce moment, en plus, on a une offre qui vous permet de vous abonner et de profiter de 6 mois gratuits tous les ans. Dépêchez-vous parce qu'elle va bientôt se terminer. Ça fait partie des réflexions que l'on doit avoir quand on évoque les extraterrestres sur la planète Terre. On voit qu'il y a de plus en plus de gens qui disent avoir été abductés. J'avais Géraldine Orozco il n'y a pas longtemps qui disait, etc., avoir été emmené depuis son plus jeune âge dans des vaisseaux. Est-ce que, si, comme vous le dites, Jean-Claude, ils sont peut-être dans la banlieue de la Terre, ça leur permet de venir en enlever quelques-uns, nous étudier, etc. C'est quelque chose ? Oui, alors...
pourquoi viennent-ils nous voir ? Bah oui, c'est vrai. Ça, c'est la question. C'est la Terre question. Est belle, hein. Quand on voit les autres planètes, on se dit que la Terre est belle quand même. Justement. Justement, et là, on a mis le doigt dessus. Ah. Parce que si on regarde les exoplanètes que nous avons découvertes, 3006 ou 3008, je ne sais plus. On est à plus de 4000 maintenant, je crois. Oui, je ne sais plus le chiffre ça exact. Ça augmente tout le temps, donc voilà. Voilà. On s'aperçoit que, d'abord, elles n'ont pas les caractéristiques de la Terre, et elles sont très, très, très éloignées. La dernière qui pourrait être habitable, elle a été découverte en 2015, elle est à 1400 années-lumière de la Terre. Ouais. Donc, c'est très difficile de dire on va y aller et on va revenir. C'est très difficile. Et en même plus, à la vitesse de la et lumière. Et en plus, la zone, ce qu'ils appellent d'habitabilité, garantit pas la possibilité pour nous, par exemple, tout de vivre fait. Sur cette planète. Parce que la chaleur, etc., le tout froid... Tout à fait. Il faut certaines conditions. C'est ça. Donc, pourquoi ils viennent nous voir ? Et pourquoi y a-t-il des adductions ? C'est ça le problème. Parce que si on donne crédit à ce qu'on vient de voir, à savoir qu'il y a des personnes qui sont abductées... Et il y en a beaucoup qui témoignent, hein, quand même, de plus en plus. Hein. Oui, qui témoignent. Pour quelle raison ? Pour quelle raison nous faisons des expériences en laboratoire ? On a bien une idée. Quand on prend un animal et qu'on fait des expériences sur cet animal, c'est bien parce qu'on cherche des résultats. Et quel est le but de ce résultat ? Eh bien, c'est de pouvoir utiliser le génome humain, c'est-à-dire l'ADN, de façon à ce que, quand la Terre ne sera plus occupée par les occupants actuels, on pourra l'occuper. Comme elle est rare et qu'elle est florissante, elle donne beaucoup de choses, il y a tout, il y a beaucoup d'éléments qui permettent de vivre très bien. Il y a une variété de vie incroyable. Incroyable. On ne va pas la laisser tomber, cette fameuse planète qu'on a découverte et qu'on a cherchée pendant des siècles ou des millénaires dans le cosmos. Elle est là. On attend que l'espèce humaine disparaisse. C'est comme un locataire. Alors, c'est pas pour l'instant, quand même. Hein. à part si on se détruit. Voilà. Ah, mais attendez. Ça peut arriver. Malheureusement, ça peut arriver. Monsieur, quand on regarde l'actualité... Oui, on peut se dire que... On regarde les problèmes climatiques, entre autres, tout ce qui se passe, et les guerres potentielles nucléaires qui peuvent éventuellement nous tomber sur le nez... Moi, je me dis, si on continue comme ça... On n'est pas loin de l'extermination. Alors, s'ils le savent et qu'ils attendent purement et simplement qu'on se débarrasse... Pour la coloniser, finalement. Ouais. Eh bien, peut-être qu'ils viendront, ils viendront sur Terre et ils auront utilisé l'ADN humain qu'ils auront prélevé pour pouvoir, justement, s'acclimater. Oui, c'est ça. Bon, par contre, moi, j'ai regardé ce qui s'était passé en 62... Quand il y a eu la crise des Cuba, on s'est aperçu qu'il y a eu des ovnis qui ont été aperçus, que certains ordres avaient été donnés, qui n'ont pas été reçus à temps, machin. Bon. Je me demande s'ils ont envie de récupérer un tas de cendres. S'ils veulent vraiment utiliser la Terre après notre disparition... Il ne faut pas qu'on la fasse péter. Hein. Voilà. Parce que sinon, elle sera... Voilà. Donc, peut-être qu'aujourd'hui... C'est pour ça qu'peut-être ils déclenchent... En fait, ils enlèvent... Ils sont toujours sur les infrastructures nucléaires, peut-être pour éviter qu'on fasse l'inévitable. Exactement. D'accord. Okay. C'est exactement ça. Parce que, comme je dis, je me répète, ils ne veulent pas récupérer un tas de cendres. Ils vont attendre longtemps. S'ils ne laissent pas faire une expérience nucléaire, ils vont devoir attendre. Non, ils vont peut-être attendre que le climat, toutes ces choses-là. Donc, ou la pandémie... Non, ils éviteront que nous conservions des armes nucléaires, et tu le sais bien, parce qu'il y a eu des... Salas l'avait dit, rappelle-toi. À chaque fois qu'on a voulu utiliser l'arme nucléaire, comme par hasard, il y a toujours eu quelque chose qui a empêché. Là, on voit qu'il y a des observations d'ovnis, mais elles ne sont pas là par hasard. Par hasard, oui. Elles sont toujours au-dessus de navires nucléaires, donc, de bateaux nucléaires. Ce qu'ils veulent, en réalité, c'est récupérer la Terre une fois que nous aurons disparu. Mais ils ne vont pas intervenir militairement. Ils vont laisser faire les choses. Jean, l'abduction, est-ce que pour vous, c'est finalement un programme? Et qui prouve que peut-être... Je vous rappelle qu'il y a juste 30 000 personnes qui disparaissent par an en France. Il y en a 20 000 qu'on retrouve, Dieu merci. Il y en a 10 000 qu'on n'a jamais retrouvées. Alors, bien sûr, on a le droit à la disparition en France. C'est-à-dire que si je veux disparaître, j'ai le droit... La police n'a pas le droit de révéler l'endroit où je suis, si je le décide, en tant que majeur et vacciné. En revanche, il y a quand même, dans ces 10 000 personnes, peut-être des gens qui ont disparu réellement. Alors, il y a des gens qui ont été tués, etc. Mais on peut imaginer... Le MH370, oui, on n'a toujours pas trouvé alors, de réponse. Alors, je fais une très belle émission, d'ailleurs, avec deux pilotes dans pas longtemps là-dessus. Ouais. Donc, les abductions, c'est un programme effrayant, quand même, si jamais il est enclenché, ce programme, de la part des entités venues d'ailleurs. Alors là, j'ai entendu Jean-Claude Sidoun, et vraiment, c'est quand même rare qu'on entende
des hypothèses ambitieuses, enfin peut-être anxiogènes, mais radicales sur ces questions dans le milieu ufologique. Dans le milieu ufologique, on a plutôt tendance à mettre les abductions de côté et dans tous les cas à, je dirais, angéliser le phénomène. Ouais. C'est plutôt une tendance dominante, je dirais. Alors, là, c'est à contre-courant. Oui, dans une certaine mesure, je dirais. Alors, moi, j'exprime effectivement mon opinion comme invité, évidemment. Je pense qu'on peut difficilement se dire un spécialiste d'une telle question qui est tellement grave, qui a tellement d'enjeux. Mais, merci d'avoir présenté Peter Robbins, cet extrait de son émission. Peter Robbins était un ami intime de Bud Hopkins. Mm-hmm. Peter Robbins a vécu toujours à New York, il travaille dans le milieu des galeries d'art, et Bud Hopkins, qui est l'un des fondateurs, c'est pas vraiment le premier pionnier, parce qu'il y avait Leo Sprinkle avant lui et quelques autres, qui ont travaillé dans les années 60, mais disons qu'à partir des années 70, c'est lui qui a vraiment travaillé... Popularisé, mais qui a fait un énorme travail d'enquête dans les années 70 jusqu'en 2011, il est mort en 2011. Et quand j'entends souvent les débats autour des abductions, c'est un problème très particulier, c'est un sujet très particulier. Mais on a tendance maintenant, quand on parle du livre de Barbara Lamb, qui nous dit que son livre de Barbara Lamb s'appelle « Meet the Hybrids ». Allez à la rencontre des hybrides. Mais approchez-vous, ils sont gentils comme tout. Mmh. Buvez un verre avec eux. Et quand vous les connaîtrez, vous verrez que c'est des bonnes personnes, vraiment. Vous serez content de les avoir connus. Mmh. C'est bien possible, moi je n'y connais pas. On se demande comment sont les extraterrestres, est-ce qu'ils sont humanoïdes, est-ce qu'ils ont une tête de reptile, est-ce que des petits gris. Donc les hybrides, c'est encore plus complexe. Personnellement, je ne peux que faire des hypothèses, donc certainement pas une preuve. Mais Bud Hopkins a travaillé depuis ces années. Il a écrit Missing Time en 1982 ou 81. Il a écrit Intruders en 1987 et Witnessed en 1996. Mm-hmm. Donc, entre 87 et 96, il y a quand même 9 ans. Donc, ce n'est pas un auteur de science-fiction qui écrit un livre tous les ans avec son imagination. Les archives de Bud Hopkins constituaient, entre autres, des milliers de lettres de témoins, de milliers de lettres de personnes qui pensaient avoir vécu quelque chose d'étrange ou qui pensaient avoir été enlevées pendant le cours des enquêtes menées entre autres avec Bud Hopkins, des lettres que lui, de documents, mais entre autres 700 transcriptions de séances d'hypnose. 700. C'est quand même pas rien, on se sent qu'une transcription peut être sur 2 cassettes. Et une cassette fait 2h30 sur une vingtaine d'années ou 25 ans. Il est considéré comme le précurseur, le pionnier, le premier expert sur ces questions-là. Il n'est plus là pour parler, malheureusement, il est mort en 2011. Et c'est lui qui a écrit ce livre « Witness » consacré au cas Linda Cortill. Le cas Linda Cortill est un cas extraordinaire parce qu'il se passe où ? À New York. Mmh. Et il se passe où à New York ? À Manhattan. Son histoire est assez étonnante. Il se passe sur le pont de Brooklyn, c'est-à-dire qui joint Manhattan et Brooklyn, au sud de Manhattan. On est compte. Et ça se passe à 3h et 5h du matin. Mais à New York, vous savez, il n'y a pas de nuit. Ça vit 24h sur 24. Même à Paris, c'est 24h sur 24. Aujourd'hui, à Paris, avec les touristes l'été. Mais à New York, on n'est jamais seul à New York. Et surtout à Manhattan. Eh bien, il se trouve que, là encore, c'est extraordinaire, c'est le fameux secrétaire général Pérez de Cuellar qui rentrait du siège des Nations Unies avec sa voiture, avec ses escortes, et qui ont été eux-mêmes impliqués dans cet événement. Le secrétaire général des Nations Unies, Pérez de Cuellar. Alors, je ne vais pas raconter l'histoire, elle est incroyable, entre guillemets. Mais Linda Cortill a été effectivement enlevée d'un immeuble de sa maison, elle est sortie par la fenêtre, et les voitures ont été paralysées sur le pont de Brooklyn, et tout s'est passé en bas, elle a été conduite en bas, sur les rives de la Hudson River,
Non, de la East River, exactement, le Hudson, c'est de l'autre côté, et ça, je ne raconte pas l'histoire. Mais non, mais en plus, Peter Robbins la raconte dans oui, l'émission, oui. Donc voilà. Mais en tout cas, ce sont des cas très, 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 très réels, il y a des centaines, des milliers de cas d'abduction. Donc la question centrale, comme vous le dites, M. Sidoun, c'est quel est le sens, qu'est-ce qu'il vise. Alors, vous avez mentionné ce point du matériel génétique, mais évidemment... Le matériel génétique s'est étudié dans Missing Time, qui a été traduit en 1995, avec le titre « Les extraterrestres sont un titre racoleur à la française ». Ils auraient très bien pu traduire « Temps manquant », tout simplement. Mais il y a des centaines de cas, et les transcriptions de séances d'hypnose donnent le contenu de ces épisodes d'adduction. Même s'il y a une question sur l'hypnose, mais Bud Hopkins s'exprime. Mais le matériel génétique si est là. Si je peux me permettre... Qu'est-ce qui m'a fait arriver à cette hypothèse? C'est le cas Antonio Villas-Boas. Ouais. Il s'est passé en 57. Brésil. Quel est l'intérêt que cet homme ait une expérience sexuelle avec une entité dont on ne connaît pas l'origine? Un fantasme sexuel d'une entité qui était de passage. Voilà. Alors, je me suis posé la question. Une petite grise. Surtout qu'avant de partir, d'après ce que dit Antonio Villas-Boas, elle lui a dit, enfin, elle lui a fait comprendre. Parce qu'il salut chérie, à bientôt. Elle lui a dit, il y a quelque chose là-haut qui va... Donc je me suis posé la question. Un bébé, quoi. Il y aura un bébé qui va... Je me suis posé la question. Ouais. Après, il y a eu le cas de Betty Barnett-Hild. Ouais, ouais. Même chose. Je me suis dit, mais... Pourquoi il s'intéresse à la génétique? C'est ça qui m'a commencé à me titiller l'esprit. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait, nous, dans les laboratoires? On fait à peu près la même chose. Et on se fiche pas mal de la souffrance des animaux, malheureusement. Il n'y a aucune morale, là. Tout à fait. Alors, les produits cosmétiques... bien souvent, ils ne sont pas dangereux pour nous. Pourquoi? Parce qu'ils ont été dangereux pour les sur animaux, les animaux, les cobayes qu'on a expérimentés, malheureusement pour malheureusement. Eux. Mais bon, c'est ça. Et c'est pour cette raison qu'ils n'ont pas eu de sentiment particulier avec Betty, quand ils lui ont enfoncé une aiguille dans l'abdomen. Pour eux... C'était tout à fait ce que le comportement d'un scientifique qui fait un travail sur un cobaye. Voilà. Donc, je me suis dit, quelle est la finalité de tout ça? La finalité, c'était de connaître notre génome, c'est-à-dire de connaître notre ADN. Et pourquoi ils veulent connaître notre ADN? Tout simplement pour nous supplanter, c'est tout. En réalité, et si vous regardez, ils ne nous ont jamais apporté quoi que ce soit. Tous les récits que nous avons décontactés, quels qu'ils soient, qu'ils soient considérés vrais ou faux, peu importe, qu'est-ce qu'ils nous ont apporté? Rien du tout. Rien qui dépasse les connaissances actuelles de la science. Non, c'est souvent d'ailleurs, ils viennent chercher. Je me souviens de Maurice Mas, ils viennent récupérer des plants de lavande. C'est-à-dire que ça paraît fou. Mais encore une fois, c'est la diversité. C'est la génétique. Mais bien sûr, c'est la génétique, etc. Génétique. Alors, ils auront besoin de connaître les plantes exactement. Sur lesquelles ils vont devoir donc, vivre dans l'environnement dans lequel ils vont vivre. Ça explique beaucoup de choses en réalité. Sûr. Ou peut-être font-ils une terraformation sur une autre planète. Quand on les voit prendre des poules comme Marius Deville ou des fleurs en 54 en Italie, mais ils vont devoir vivre dans cet bien environnement. Sûr. Ils ont besoin de le connaître. Ouais. Nous, c'est pareil. Si on va sur Mars, on envoie des sondes qui prélèvent des échantillons pour exactement connaître l'atmosphère de Mars. Il y en a une, elle est ténue, mais bon, il y en a une. Et puis, les roches, les vents, on sait que les vents martiens sont très importants. Ils sont même très violents, d'ailleurs. On a besoin de connaître. Et c'est ce qu'ils font, en réalité. C'est ce qu'ils font. Ils créent des environnements. Ils font de l'exploration spatiale comme nous le faisons. Et peut-être même, ils font comme O'Neill, dans leur vaisseau, ils reproduisent les conditions comme nous, on fait avec BioSphere 2. On a reproduit les conditions terrestres. Eux, ils reproduisent les conditions pour voir s'ils peuvent vivre. Et peut-être qu'ils ont besoin de nouveaux échantillons pour améliorer les conditions qui leur permettront d'utiliser la Terre ou d'occuper la Terre quand nous disparaîtrons. Alors moi, je dis toujours, c'est une question de temps, mais les dinosaures ont vécu 60 millions sur la Terre. Ouais. 60 millions d'années sur la Terre. Nous, c'est quoi l'homme, c'est quoi? Plus. Ils ont disparu il y a 60 millions, mais ils avaient vécu, je crois, plus de 200 millions. 153 millions, on parle des premières formes de vie. Il y a 100 millions d'années, il y avait déjà les fourmis, je vous le disais. Voilà, il y a des espèces qui sont... même sont les requins, les crocodiles, ça fait longtemps qu'ils sont là. Non, mais ce que je veux dire, c'est que nous, on a la civilisation terrestre. Si on prend l'écriture cunéiforme, la Mésopotamie, les Égyptiens, ça a 10 000 ans. Bon, on a une civilisation
structuré. Non, mais l'homme moderne, il n'est pas là depuis très longtemps. Donc voilà, c'est juste. Voilà. Donc nous, c'est très peu de choses. Mmh. Mais eux, si ils ont, par exemple, une longévité plus longue que la nôtre, mmh. ou si, par exemple, ils ont eu la chance de vivre sur un monde qui s'est développé avant 3 milliards d'années mmh. que le nôtre. Mmh. Donc ils ont forcément une technologie qui c'est nous dépasse. C'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà. Mais par contre, s'ils veulent. S'ils n'ont plus de terre, ça fait des années et des années, ou des millions d'années peut-être même, ou des centaines d'années, peu importe la quantité des années. S'ils cherchent une terre promise quelque part et qu'ils ont découvert la terre, et comme on sait qu'elle est relativement assez rare dans l'univers, hein, tout au moins les mêmes caractéristiques que la terre, on en trouve, mais elles sont pas comme sur la terre. Donc, c'est ce que disait Albert Ducrot, ce qu'il avait lancé à l'époque, la chaîne bleue. Ils ont peut-être envie de la garder, la terre. Si vous trouvez un très bel appartement, mais il est occupé, l'appartement, bah, vous le voulez. Vous savez quoi ? C'est du viager. Hein. En fait, ils font du viager pour prendre une... En fait, ils font du viager, c'est-à-dire qu'ils misent sur notre disparition en espérant récupérer leur appartement qui sera la terre. Alors, on va continuer à parler... En propriété. Voilà, exactement. On parlera de tout cela encore et on va continuer parce que ce soir, le thème, si vous arrivez, c'est « Les extraterrestres sont-ils parmi nous ?» Il est un peu plus de 20 heures. OVNI, phénomènes paranormaux, sociétés secrètes, Big Brother, mystère des pyramides. En exclusivité sur le web, Bob vous dit toute la vérité. Celle de ses invités. Et mes invités ce soir, c'est Jean-Claude Sidoun, qui, je vous le rappelle, a sorti 1900-1930 Encyclopédie mondiale du phénomène OVNI et 1931-1943. L'occasion pour vous de découvrir tous ces cas extraordinaires. Et puis, il y a le représentant et, de Fly In Disc, mais cette fois-ci, France, c'est notre ami Jean Librerot. Je rappelle que tous les bouquins, vous les trouvez sur btlv.fr. Et puis, il y a ce bouquin, Roberto Pinotti, Contact OVNI en Italie. C'est le dernier ouvrage de Fly In Disc, en tout cas, que nous avons reçu. Je voulais juste qu'on fasse un point sur les réseaux, parce qu'il y a beaucoup de monde ce soir, et j'imagine que ça parle énormément. Effectivement, ça parle beaucoup. Alors, on ne va pas se mentir, hein. Ils sont tous persuadés, ils sont parmi nous. On avait d'ailleurs fait un petit sondage, on n'en avait pas parlé avant, mais 88% sur YouTube pensaient qu'ils étaient bien parmi nous. Donc vraiment, vous êtes une majorité là-dessus. Alors, on parlait beaucoup des abductions. Oxygène lui dit que ça peut être aussi pour nous observer, mais pour qu'ils s'observent eux-mêmes, parce que bah, du coup, comme on le dit, certains peuvent être des extraterrestres. On a également Lewis qui dit que quand on se fait abducter, c'est pour nous donner des super pouvoirs ou nous rendre un peu surhomme. Voilà, c'est ce qui est... Ils ne sont pas tous revenus avec des super pouvoirs. Oui, on est d'accord. En tout cas, c'est la proposition de Lewis. Et puis, on a une question d'une auditrice qui nous demande pourquoi ne pas parler des galactiques et des arthuriens. Voilà. Alors, les galactiques, ça aussi, c'est la Confédération galactique, les arthuriens, tout ça. Après la porte, elle est ouverte, elle est grande ouverte. Donc, ça peut, on en a déjà parlé de la Confédération galactique ici. Je pense qu'on fera toujours des émissions. J'ai encore enregistré Léna Favre, que vous allez découvrir la semaine prochaine, qui est une médium et qui dit être en contact avec des galactiques. Elle me dit, c'est des extraterrestres, ça peut être plein de choses. Bon, ça, c'est encore un autre sujet. Je voulais revenir sur David Jacobs, parce que je crois que vous avez traduit le bouquin de David Jacobs. Il était venu ici, c'est ça, vous l'avez traduit hein. Oui. Il était venu ici, David Jacobs, docteur en histoire. Alors, il faut le rappeler, c'est docteur en histoire, il n'est pas docteur en biologie, mais lui aussi a fait des centaines et centaines d'hypnose. Il a repris un peu le travail de Bud Hopkins. Et lui, il me disait quelque chose d'assez effrayant. Je crois qu'on la retrouve, l'émission sur btlv.fr, elle est encore en ligne. Il me disait quand même qu'il y avait des programmes qui étaient... qui avait d'hybridation, d'insémination, de prélèvement. C'est-à-dire que là, on a vraiment la sensation qu'on est du bétail, quoi. Tout ça. Mais ça confirme ce que je viens de dire. Oui, c'est ça. On est juste à étudier pour éventuellement... Parce que... Charles Fort le disait déjà. Oui, alors, le truc, c'est qu'on a la sensation que finalement, ils ne sont pas pressés, eux. On a la sensation qu'ils sont mais non, pressés. Ils ont tout leur temps. Hmm. Ils ont tout leur temps. Je m'excuse de reprendre la parole, mais ici, ils sont là depuis l'Antiquité, par exemple. Nous, on voit bien qu'il s'est passé 2000 ans entre les Romains, par exemple, et nous. Hein. Bon. Mais ils sont toujours là, on voit les mêmes choses. Le phénomène n'a pas tellement évolué. Il a évolué dans la forme des objets observés. Mais le mimétisme est toujours le même. Ils atterrissent, ils repartent, il y a quelques contacts. Bon, ça n'a pas changé depuis 2000 ans. Donc, en réalité...
Il y a quelque chose que je voudrais évoquer avec vous, parce que je vais recevoir bientôt les réalisateurs d'Ariel Phenomenon. Vous savez, il y a un documentaire qui est sorti, sur ces enfants qui ont été en contact dans une cour d'école. Voilà. Oui, donc, je reçois du Sud. Voilà, je reçois le réalisateur bientôt. Et tous disent, ces enfants, les petits êtres qui sont venus nous voir, nous montrer des images de la terre en feu, de la terre en... de l'écologie. Et c'est souvent, il y a plein de gens qui disent avoir été en contact, et on leur a envoyé par télépathie des images. Alors c'est marrant, parce que, mais là, ça veut dire deux choses. C'est-à-dire qu'on a la sensation qu'il y a peut-être une population extraterrestre qui veut nous pomper notre ADN. Ou nous montrer notre avenir, voilà. Tout simplement. Et une autre qui vous dira, attention les gars, regardez où vous allez, voilà. Si vous continuez, vous faites ça. C'est... D'un côté, il y a la bienveillance, et parfois, il y a un peu de méchanceté, quoi, en fait, c'est ça. Oui. Alors, vous m'avez interrogé sur David Jacobs. Ouais. Donc, je pense que, puisque David Jacobs est évoqué, il faut prendre le temps de présenter son travail. On n'en a pas beaucoup. Hein, oui, mais concrètement, parce que là, il s'agit, par exemple, d'un plan, d'un programme d'acquisition de la planète Terre. Acquisition planétaire, c'est un peu l'hypothèse que vous suggérez, que vous évoquez, M. Sidoun. David Jacobs a commencé son travail en 1982 dans les pas de Bud Hopkins. Ouais. Il a été formé par Bud Hopkins pendant 4 ans, entre 82 et 86. Je le connais personnellement parce que j'ai traduit le livre « Il marche parmi nous » qui est sorti en 2017. Oui, parce que c'est pour ça que je l'avais reçu ici. Oui, et il m'a dit qu'il n'a pas fait une seule séance d'hypnose avant 4 ans de formation aux côtés de Bud Hopkins. Sachant que David Jacobs était professeur d'université à l'âge de 35 ans. Donc, une tête. Quand on a cette brillance, ce point, on n'a pas envie de revenir à l'école, a priori. Bien sûr. Si, lui a eu l'honnêteté, la modestie de dire les techniques d'hypnose pour les abductions. Il faut que je les comprenne pour pouvoir... Ça prend, c'est pas en 3 mois de formation accélérée que... Et il m'a dit beaucoup de choses sur les techniques d'hypnose et sur les techniques d'interrogatoire. Bref, on n'a pas le temps d'exposer cela. Mais il a écrit lui-même plusieurs livres. Secret Life, qui a été traduit à l'initiative de Jimmy Gueux. Mm-hmm. Il a écrit The Threat, qui n'a jamais été publié. Et là, j'étais en train de relire Il marche parmi nous. Il parle beaucoup de The Threat, la menace, qui a été publiée en 1996, en même temps que Witnessed de Bud Hopkins. Et c'est là qu'apparaît effectivement, dans The Threat, apparaît très clairement la présence des hybrides et les programmes, évidemment, d'utilisation du matériel génétique et de création de races qui, selon Jacob, sont destinées effectivement à l'infiltration, à l'insertion dans l'univers terrestre, humain, en vue effectivement d'une acquisition planétaire. Alors, effectivement, pour le public, c'est effrayant. Hein. Et de toute façon, quand je dis à des personnes qu'ils ont intérêt à lire ce livre, je leur dis, écoutez, ne le lisez pas, ne faites pas lire à des personnes qui sont trop fragiles. Donc là, j'avertis le public de BTLV, les abonnés, qu'effectivement, on ne doit pas mettre ce livre dans les mains de tout le monde parce qu'il est effrayant dans ses contenus, même si dans la forme, dans les chapitres, bon, ce sont des récits, des transcriptions de séances d'hypnose, etc., et des synthèses. Mais effectivement, Jacobs a commencé en 1982. Il est le dépositaire des archives de Bud Hopkins. Si Bud Hopkins considérait que Jacobs était un fantaisiste, il est mort en 2011. Donc, ils ont travaillé ensemble depuis 1982, c'est-à-dire 30 ans. Il lui a confié toutes ses archives. Jacobs est le dépositaire de toutes les archives. Et Jacobs lui-même a 2000 cassettes de séances. Il a fait plus de 2 fois le nombre de... Et donc, le livre expose, c'est une sélection de 14 cas qu'il a étudiés sur plus de 20 ans. Parce que je lui ai dit, je termine, je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps, je lui ai dit, mais David, comment se fait-il que ce soit que vous qui expose l'hypothèse, effectivement, d'une infiltration planétaire et d'un programme d'acquisition planétaire par des extraterrestres utilisant des hybrides et utilisant les abductés qui vont former des hybrides sur Terre, alors que d'autres chercheurs n'ont pas formé cette conclusion. C'est une question légitime, et avec tout le respect que j'avais pour lui, je devais lui poser la question. Il me répond, genre, c'est tout simple. Aux États-Unis, quelqu'un qui pratique l'hypnose facture $100.
Et la personne qui est dans le besoin, qui croit qu'il lui est arrivé quelque chose, va payer 100 dollars, va payer deux fois 100 dollars, mais ne va pas aller au-delà de 200 dollars parce qu'elle n'a pas un budget pour ça. C'est-à-dire que lui, Bud Hopkins, on travaillait gratuitement pendant 20-30 ans, et il me dit en plus, dans tous les cas, qu'on facture ou qu'on ne facture pas, un épisode d'abduction, on ne peut pas l'explorer en une séance. C'est impossible. Donc il faut plusieurs séances ou plusieurs dizaines de séances. C'est ce qu'il a fait avec Calvin Parker, etc. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il y a eu plusieurs séances d'hypnose. Plusieurs séances d'hypnose. Mais en plus, une personne qui a enlevé, selon Bud Hopkins, qui a mis ça à jour, David Jacobs et John Mack l'a confirmé aussi, une personne n'est jamais enlevée une fois. Les abductions commencent dans l'enfance. Excusez-moi, les auditeurs qui ne connaissent pas ce sujet, c'est un sujet très grave et angoissant. Il peut être plusieurs fois dans la vie même. Plusieurs fois dans la vie, ça commence très souvent l'enfance. Pourquoi ? Parce que précisément, ils étudient aussi le matériel génétique depuis l'enfance. C'est ce que me disait Géraldine Orozco la dernière fois, quand j'ai fait son interview, c'est qu'elle a pris conscience. Sa première abduction, elle pensait que c'était à 18 ans, et en fait, elle se fait hypnotiser, elle s'aperçoit que c'était... Pour quelle raison ? C'est parce qu'ils ont besoin. Alors, déjà, elle sait qu'elle est tombée enceinte, elle n'a jamais eu de petite amie, enfin, ça a été assez fou. C'est encore une fois sur btlv.fr. Et pour les plus rationnels, encore une fois, j'ai vu quelqu'un qui disait c'est l'émission des fantasmes. Non, c'est l'émission où on envisage tous les possibles. C'est ça, c'est comme ça qu'il faut envisager, mais en tout cas, on s'autorise à s'envisager tout cela. On peut imaginer, tout à l'heure, en tout début d'émission, j'ai parlé de David Vincent, parce que je trouve que cette série, elle est absolument incroyable, parce qu'en fait, elle est précurseuse de tout. Et le cauchemar... David Vincent doit prévenir la population que le cauchemar a déjà commencé. Quand on entend ça, on se dit, putain, mais il y a quelque chose, il y a un programme qui se fait qui est quand même assez effrayant. Mais dans Les Envahisseurs, ils étaient parmi nous. Est-ce que vous avez peut-être imaginé que des hybrides sont déjà parmi nous, parce qu'il y a des chercheurs qui disent ça, ont pris apparence humaine et se baladeraient parmi nous. Si la question m'est posée, je ne pense pas. D'accord. Honnêtement, je ne le pense pas. Je ne dis pas que ça ne peut pas être la vérité. Mm-hmm. Personnellement, je ne le pense pas. Je pense qu'ils en sont encore à étudier notre génome. Ils en sont encore à étudier la façon dont ils pourront se comporter comme nous comportons aujourd'hui. C'est-à-dire sans accessoires respiratoires et autres. Ils sont comment on peut imaginer même qu'un être venant d'ailleurs puisse supporter notre environnement avec tous les microbes qu'il y a ici dans cette pièce. Il y a énormément de microbes, mais nous ça ne nous touche pas parce que ça fait des centaines de milliers d'années que le corps humain s'est habitué. Mais ouais, il suffit d'un microbe, enfin d'un virus qu'on ne connaît pas et on voit ce que ça a donné. Hein, donc voilà. Mais en Amérique, oui, voilà. En conquête de l'Amérique. On le connaissait, hein, le virus. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, on l'a pris alors, dans la gueule. Justement. Alors eux, c'est encore pire. Mais oui, mais c'est exactement la guerre des mondes. Hein. C'est à exactement. La fin, ils se barrent parce qu'ils ne supportent pas exactement. Notre environnement. D'ailleurs, George Wells avait de ce côté-là, avait été un précurseur. Oui, moi je pense que, et les biologistes aujourd'hui conçoivent ça, ils se disent, mais comment ils peuvent vivre de notre façon ? Sinon, les abductions n'existeraient plus. Bien sûr. Donc s'ils ont besoin de toujours prendre des personnes pour des raisons diverses, et faire des expériences, surtout dans la même famille, c'est parce qu'il y a quand même un résultat qui doit être obtenu, obligatoirement. Donc je ne pense pas qu'ils vivent encore parmi nous. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des cas où des personnages, des entités dont on ne connaît pas la provenance, ont pu venir sur la Terre. Et puis repartir. Mmh. Et même peut-être, pourquoi pas. Mais regardez, jusqu'à maintenant, on n'a pas de preuve de ça, parce que l'ADN... Après, si je suis extraterrestre, j'essaie de me fondre dans la masse. Je veux pas l'ADN, il est partout, c'est le même. On n'a pas un ADN différent quelque part. Tous les êtres qui vivent sur la Terre ont les mêmes cellules génétiques. C'est le même processus. Après, il est propre à chacun l'ADN, quand même, Jean-Claude. Donc, oui, voilà. Mais j'ai en fait, il n'est pas différent. Hein. Oui. Ce que je veux dire, c'est que s'il y avait un apport extraterrestre, je ne vois pas pourquoi, on ne le décèlerait pas. On aurait dû déjà le déceler, à moins qu'ils sont tellement en avance qu'ils peuvent encore brouiller les pistes, ils peuvent génétiquement nous tromper. Exactement. Ce n'est pas impossible. Voilà. Jean, vous vouliez dire quelque chose ? Ben, je vais répondre à cette question. Vous répondez à votre manière. Dire que dans ce que vous dites, je ne dirais pas que c'est contradictoire ce qui a été dit antérieurement, mais concrètement, je reprends Bud Hopkins, Peter Robbins, Bud Hopkins, David Jacobs.
Donc on est là, dans des témoignages, des enquêtes en tout cas, sur du prélèvement de matériel génétique. Matériel génétique. La procédure la plus courante, ce sont des fœtus, des embryons qui sont implantés sur une femme féconde, et les embryons deviennent des fœtus au bout de 8 à 9 semaines, ils sont retirés. Donc soyons concrets, ces questions-là, parce qu'il y a des abductions, ce qui ressort des témoignages physiques, matériels, médicaux et des enquêtes par les séances d'hypnose et témoignages, ce sont des procédures de prélèvement de matériel génétique, prélèvement d'ovules, prélèvement de matériel génétique de semences masculines. Donc tous ces matériels génétiques de cellules sexuelles sont destinés à de l'hybridation, c'est-à-dire à des destinations de matériel de création, d'évolution d'espèces. Donc la question de l'hybridation est implicite et inhérente aux abductions. Oui, mais c'est on est d'accord. Clair. La question que je posais à Jean-Pierre, c'est savoir est-ce que vous pensez qu'il y en a déjà sur nous, sur Terre. J'ai bien compris. Mais dans ces conditions, on a le témoignage de 1961, Betty et Barney Hill, on a Villas-Boas, qui est 57, au Brésil. On parle de civilisation de haute technologie, qui ont les moyens peut-être de voyager éventuellement d'autres parties de la galaxie, qui sont hautement développées de toute technologie. Donc technologie de connaissance du cosmos, des technologies spatiales, etc. Ils ont également des technologies de biologie. Et donc de génétique. Si nous avons des dizaines d'années d'enlèvement, de prélèvement de matériel, nous pouvons on déduit logiquement, c'est ce qui ressort des travaux de Bud Hopkins et de Jacobs, que des hybridations ont été pratiquées à longue échelle, et on travaille sur des générations, c'est-à-dire une personne est enlevée depuis l'enfance, mais ses enfants seront enlevés, ils travaillent sur des lignées génétiques. C'est-à-dire le génome de Jean-Claude, c'est pas le génome de Paul, de Bob, et il reste sur cette ligne pour leurs opérations, l'hybridation. Tout est méthodique, tout est extrêmement scientifique. Oui, quel est le but ? Non, mais avant d'avoir le but, d'abord concrètement, c'est ce qui ressort d'abord du travail le travail de Jacob, c'est un livre qu'il faut lire parce que les contenus sont terribles. Mais dans tous les cas, ce travail a été fait depuis des dizaines d'années et les hybrides ont très certainement évolué au point qu'effectivement... Ils pourraient être parmi nous. C'est ce qui apparaît dans le livre « Ils marchent parmi nous ». D'accord. Des hybrides qui ont non seulement l'apparence humaine totale, alors qu'ils ont aussi un gène extraterrestre, mais par ailleurs, qui sont formés pour... par toutes sortes de manières qui apparaissent dans le livre « Il marche parmi nous » pour interagir comme un Français moyen, comme un Russe ou un Américain. On se souvient que dans « Les envahisseurs », et je trouve que cette série est absolument incroyable, il y a accouplement même d'ailleurs, il y a une continuité dans l'hybridation parce que les extraterrestres d'apparence humaine se marient. Et féconde des femmes. Il y a des relations sexuelles qui sont faites dans cette. Mais c'est une fiction quand même. Hein. Bien évidemment. Mais enfin, il y a beaucoup de choses quand même dans cette fiction qui où on a la sensation que il y avait beaucoup de choses. On connaissait ça depuis les années 40. Il n'y a rien d'extraordinaire. Bon, moi je pense, j'écoute, mais moi je voudrais bien avoir les preuves de tout ça. Parce qu'il n'y a pas de preuves. Oui, mais si on avait des preuves, Jean-Claude, on ne serait pas ici en train d'en parler. Je suis d'accord. Le problème, c'est que BTLV n'existerait pas. Mais vous voyez ce que je veux dire ? On n'a pas de... On est juste sur des suppositions, c'est ce que je disais. On est là pour envisager les choses. On n'a aucune certitude. Non, bien évidemment. Il n'y a pas de certitude à ce niveau-là. On ne peut pas dire. Il y a des hypothèses. Oui, bon, on a le droit de formuler des hypothèses. Ce n'est pas interdit. Au contraire, plus on formule, comme disait Jésus-Christ, c'est de la discussion jaillit la lumière. Ouais. Donc, pourquoi pas ? Moi, je suis ouvert à toutes les hypothèses, à partir du moment où ça sont des hypothèses. Après, quand vous discutez avec un scientifique, il dit « Ok, les hypothèses, c'est parfait, mais moi, je n'ai pas besoin d'hypothèses, moi, j'ai besoin de faits. » Moi, demain, si je veux résoudre le problème du Covid-19, il me faut des faits. Il me faut de quoi réaliser un vaccin pour pouvoir soigner les gens. Il veut des faits. Alors, on peut
dire oui, on va trouver ceci, on va trouver cela, on n'est qu'à faire cela. Alors, moi, je suis assez d'accord. Hein. Je suis pro-science, etc. Mais n'oublions pas que la science s'est trompée plein de fois hein, donc, dans l'histoire de l'humanité. Souvent. Donc, voilà. Donc, on peut imaginer qu'aujourd'hui. C'est le propre même du scientifique. Voilà, elle a aujourd'hui un regard et peut-être que dans 10 ans, on en aura un autre. La France du XVIIe siècle n'a rien à voir avec la France du XXe siècle. Exactement. Bon, voilà. À l'époque, on disait que les météorites. Il n'y avait pas de pierre dans le ciel parce qu'on ne connaissait pas les météorites. Alors, les paysans qui voyaient tomber une pierre du ciel, en disant, elle est tombée du ciel, on leur disait, mais attendez, il n'y a pas de pierre dans le ciel, vous êtes complètement... Bon, voilà, donc la science a constamment évolué. On arrive au terme de cette émission. Je voudrais qu'on fasse un point sur les réseaux pour savoir ce qui a été dit, quel est le sentiment général de l'émission. On aurait pu en parler des heures et des heures de tout cela, mais je pense que c'est un sujet qui va nous réunir à nouveau parce qu'il y a beaucoup c'est de choses à dire. C'est passionnant. Alors, Bob, tu t'en doutes, tout le monde pense qu'ils sont parmi nous, par exemple, on a un petit message, une petite blague. Mais qu'est-ce qu'ils veulent comme preuve, les gens, à la fin, qu'un extraterrestre vienne dans leur lit ce soir? Bon, voilà, c'est des petites boutades qui se sont envoyées tout au long de l'émission. Ils ont beaucoup pensé, est-ce que l'extraterrestre, il serait pas vraiment humain, ou est-ce que finalement, il serait... Enfin, quelle forme il prendrait vraiment? C'est souvent ça le débat. Il y en a qui ont ironisé sur ce qu'ils pouvaient manger, etc. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont tous d'accord sur un point, c'est qu'ils sont parmi nous et que si le Pentagone en parle de plus en plus, ce n'est pas pour rien. Bon, bah écoutez, en tout cas, c'est ainsi qu'on va clôturer cette émission qui a été passionnante et animée parce que même si vous n'étiez pas d'accord, et j'aime beaucoup quand les gens ne sont pas d'accord, c'est intéressant. Parce que ça alimente. Sur certains points, oui, je pense. Mais oui, mais c'est vachement bien parce qu'il y a un point qui nous ramène et la puis c'est bien. La discussion est intéressante. Mais moi, je dis que la contradiction nourrit l'ufologie. Exact. Et d'ailleurs, on devrait en avoir plus souvent. Mais les gens ne veulent pas discuter. Ils pensent que tout le monde pense qu'ils ont raison. Mais non, mais parce qu'en fait, c'est pour ça que je refuse souvent les débats sur BTLV, c'est que souvent ça crie. C'est celui qui veut avoir le dernier mot. Et en contre, on peut avoir raison sur un certain point. Exactement. Et sur mais exactement. Et personne n'a la science. Personne n'a la science. Je peux évoquer un dernier point très rapidement, Monsieur Sidoun, Bob, un point qui n'a pas été évoqué et qui est lié à la présence extraterrestre. À la question, y a-t-il une présence extraterrestre sur parmi Terre? Nous Oui, parmi nous. Bon, effectivement, le dossier abduction est central, hein, je suis tout à fait d'accord. La question de l'hybridation, par exemple, d'hybrides extraterrestres cachés, dissimulés, c'est une question terrible, effrayante, sérieuse, qui n'est pas ridicule, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Et donc, bravo, Bob, d'avoir eu le courage de poser ces questions graves. Mais un dernier point, qui ferait le sujet d'une autre émotion, mais... C'est un joli lapsus, c'est une autre émotion. Une autre émotion, c'est un joli lapsus. Une autre émission. On parle des contactés. Alors, les contactés, c'est très mal vu, souvent par une certaine partie de l'ufologie. On parle de Georges Adamski, ça c'est un fake, c'est un imposteur. Et ce sont des vérités toutes faites. Les dossiers de contactés sont des dossiers qu'on doit prendre au sérieux, même si on peut formuler des opinions positives ou négatives, il y a quantité de cas. Si le cas de Jordamski est un imposteur, c'est possible, mais il y a aussi d'autres cas. Howard Menger, on peut ne pas l'apprécier ou autre, mais Van Tassel, Daniel Fry... Van Tassel, assez controversé aux États-Unis. Ils sont tous controversés, Robert... etc. Aujourd'hui, on a Robert Lortal en France, qui est un dossier très spécial, etc. Il y a des cas de contactés, des dossiers importants, mais les contactés, il y a le dossier Amicizia en Italie, qui est en partie dans ce livre Contact d'une présence qui aurait duré plusieurs dizaines d'années. Donc là, on s'agit de présences qui ne sont pas liées aux pratiques d'abduction. Donc c'est un autre type de présence. Mais peut-être le phénomène est certainement pluriforme, polymorphe. Peut-être qu'on fera une émission justement sur les contactés, sur les cas, parce qu'on ne l'a jamais fait. On a reçu ici des témoins français, d'ailleurs, d'abduction, qui avaient des témoignages bouleversants. On fera peut-être une émission, effectivement, sur les contacts. Et je voudrais vous remercier, messieurs, d'avoir été avec nous. Je rappelle, Jean-Claude Sidoun, la collection Encyclopédie mondiale du phénomène OVNI. Il y a 2 tomes pour l'instant, il y en a un troisième qui va arriver. Robert Topinotti, c'est dans la collection Flying Disc France, Contact OVNI en Italie. Tous les livres de la collection Flying Disc France, vous les retrouvez dans l'onglet librairie sur btlv.fr. Et puis je rappelle aussi celui-là, Jean-Claude Sidoun, OVNI, guerre secrète,
Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Que veulent-ils? Très joli ouvrage dans la collection Enigma. Merci messieurs d'avoir été avec nous. Bon retour chez vous. Merci à Thomas d'avoir été le relais entre les abonnés, ceux qui ne le sont pas et qui devraient le devenir et qui ont réagi. Donc d'ailleurs, on rappelle que vous pouvez vous abonner et que vous avez 6 mois gratuits tous les ans si vous vous abonnez maintenant. Et puis merci à Mathis à la réalisation et à tous ceux qui sont derrière que vous ne voyez pas et qui m'ont aidé à préparer cette émission. Salut. OVNI, phénomènes paranormaux, sociétés secrètes, Big Brother, mystère des pyramides. En exclusivité sur le web, Bob vous dit toute la vérité. Celle de ses invités.